J'ai eu la chance de jouer ces 12 dernières saisons 10 fois à la Coupe d'Europe. J'ai toujours cette anecdote de Bernard Lacombe qui disait « Petit, gamin, profite parce que les années passent vite. » Et puis dans ta tête, tu dis mais qu'est-ce qu'il me raconte, quoi ? Et puis finalement, c'est la vérité, c'est tellement vrai. Few players in this season's Europa League can boast the continental experience of Granada's Maxime Gonalon. A stalwart in UEFA competition since making his debut for boyhood club Lyon in 2009, Gonalon's presence at the heart of Granada's midfield has added invaluable experience to a side making their European bow. What's more, the Frenchman has brought impressive leadership credentials, having been handed the captaincy at Lyon, aged just 23. Je suis quand même assez jeune à ce moment-là. J'ai des joueurs d'expérience à côté de moi. Forcément, quand le coach donne le brassard, et ben après, il faut assumer. In 2010, Gonalon was part of the side that reached the Champions League semi-finals. And in his final season, he captained the club that he joined at the age of 11 to the 2017 Europa League Final Four. C'était des moments incroyables. Avec les gens, avec le public, je reçois encore beaucoup de messages d'amour. Donc, ouais, c'est quelque chose qui m'a marqué à vie et qui restera ancré à moi pour toujours. A sense of excitement filled the air as Granada hosted five-time European winners Manchester United in their maiden European quarter-final. Je crois qu'il n'y a que Soldado et peut-être Molina qui ont joué ce genre de rencontre dans l'équipe. Donc on n'a pas forcément beaucoup d'expérience dans cette compétition. Vu qu'on a peur de pas grand-chose, voilà, on y va avec envie, on y va avec détermination, on lâche rien et comme tu disais, on n'a rien à perdre. United had lost just two of their last 27 Europa League matches, but Granada was strong and organized as they have been all season. Under 40-year-old coach Diego Martinez. Mais il est jeune, mais il a quand même de l'expérience. C'est un coach qui a beaucoup de qualités. Granada were affording United little space, and it took a moment of real quality from Marcus Rashford to break the deadlock. As the match progressed, Granada found their attacking gear. Chelsea loanee Kennedy was lively. But his long-range efforts either side of half-time couldn't find a way past David De Gea. Bruno Fernandes had been kept relatively quiet, but the Portuguese midfielder forced his compatriot Rui Silva into an outstanding save. Gonalon's night ended in the 86th minute as Granada looked to their bench. But it was United who had the final say when referee Artur Diaz spotted a foul on Fernandes. Two-nil, the final score in Andalusia. Job done for United, leaving Gonalon and his teammates a daunting task in the return fixture. Voilà, on sait que la situation, c'est compliqué, mais on va y croire jusqu'au bout parce qu'on est une équipe qui lâche rien et on l'a démontré jusqu'à aujourd'hui. In a quarter final in Europe, and if you win 2-0 away from home, I have to be very happy. They have done fantastic so far, but we want to stop them here now.